Alors attention. Yo. Et salut à toi Eric, comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Ça va, je te remercie. Alors déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Aucun problème. On n'avait pas pu, on n'avait pas pu. Enfin bref, on avait eu donc sur Ursoc l'avis du taux, hein, donc sur le dernier test. Et là, on se retrouve toi et moi et les viewers pour, eh bien pour parler un petit peu des deux tests du coup, hein, ça va être deux pour le prix d'un qu'on a pu faire hier, donc à savoir Nintendra, qu'on appellera Nintendo pour des façons, voilà, Je vois que je suis pas le seul, hein. exactement, et Scorpion, qu'on appellera Scorpion, parce que voilà, pareil, pour les mêmes raisons, donc on va essayer de mêler un petit peu les deux boss. Parce que c'est deux boss qui, alors comme je le disais, d'un point de vue purement DPS, semblent très différentes. Mais on va donc essayer de voir, toi et moi, ce que tu penses un petit peu, eh bien de ces deux boss, d'accord? Est-ce que ce sera différent ou quoi? Donc je vais te poser toute une série de questions et je te laisserai développer vraiment ta carte blanche, hein, pour faire les choses comme tu le sens. Ok. Pour faire les choses comme tu le sens. Alors, on va commencer par une question très simple qui n'a pas vraiment de lien avec le druidiki, mais plutôt avec le joueur que tu es et la personne que tu es. J'aimerais avoir ton avis général sur ce que tu souhaites, hein, stratégiquement parlant, si c'est graphiquement parlant ou quoi que ce soit qui te passe par la tête. Qu'est-ce que tu as pensé donc des deux boss qu'on a pu tester, hein, Nintendra et Scorpion? Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Alors en général, je trouve que Nintendra, sachant que ce sera le premier boss du premier raid, donc l'équivalent de Kargath, quoi, est un premier boss plutôt correct. Enfin, c'est les mécaniques sont très simples. Concrètement, c'est des trois spells qui vont se répéter en boucle et en boucle. Mais pour un premier boss, ça me semble relativement correct avec une technique pas de soft en rage, mais tu sais, de gestion de placement dans la salle pour les AoE vertes, en l'occurrence du souffle. Donc j'ai trouvé ce boss-là plutôt ok pour un premier boss. Par rapport au Scorpion, je suis un peu plus mitigé, j'ai l'impression que c'est pas grand-chose d'autre qu'un gros bash AoE en fait. On est tous centrés et on fout l'AoE comme des gros porcs au final et on heal les dégâts et ça passe quoi. Donc ce boss-là, je suis un peu plus déçu, j'attends de voir ce que ça peut donner en mythique en fait. Parce que lui, pour le coup, on a nos clous de ce que ses habilités mythiques vont être. Ok, donc plutôt enjoué pour l'un, un peu plus perplexe pour l'autre, quoi, pour résumer. Hein, donc Scorpiron, je rappelle, hein, c'était le boss avec tous les adds, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu le test. C'était le boss avec tous les adds, hein, qui avait une forme de scorpion. Nintendra, c'était le dragon, hein, le dragon qui faisait des souffles partout dans la salle. Ok, donc bon, un point de vue qui semble être à peu près le même pour tout le monde. Qu'est-ce que t'as pensé? On va revenir un petit peu. Qu'est-ce que t'as pensé d'Ursoc comparé à ces deux-là, par exemple, très rapidement? Ursoc pour moi c'est une sorte de butcher en fait de légion quoi. Pareil pour un premier boss je trouve qu'il est plutôt ok. C'est pas très compliqué mais d'un côté il y a un minimum de brain. En l'occurrence le coup de la charge tu sais où il faut gérer nous-mêmes les groupes comme pas comme butcher en fait. Faut que les joueurs eux-mêmes aillent se placer dans l'un ou l'autre. Technique de soft en rage. Je trouve plutôt correct pour un des premiers boss encore une fois. Je suppose qu'il sera de façon hard-tuned pour qu'on doive le tuer très vite et que ça tape très fort etc. Ok, ouais, À voir c'est avec de vrais chiffres, mais pour moi, il me semble plutôt cool celui-là. très bien. Donc les trois boss qu'on a pu tester, ça te donne envie d'aller voir plus loin, quoi, globalement. Jusque-là, ouais. Ok. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans toi, ta classe, hein, dans ce que tu Rentrer joues, dedans. hein, ce que tu joues chez From Scratch. Donc je rappelle, hein, pour tous ceux qui n'auraient pas suivi ou qui viennent d'arriver, eh bien donc Eré joue Druidil, hein, au même titre que Uto. Donc on a deux Druidil, c'est avec cette compo qu'on a tué Archimonde, quatrième world, hein, une compo qui fonctionne parce que malgré tout Druidil, même si ça a certains défauts dont on revient sur lesquels on reviendra peut-être sur lesquels on reviendra peut-être, c'est quand même très très puissant, notamment grâce à la troquille. Alors, moi je vais te demander, donc sur ces deux boss encore une fois, est-ce que tu ressens, alors on parlera plus tard de potentiel, hein, mais est-ce que tu as l'impression que ta classe va être utile? Pourquoi? Comment tu sens le druidil sur les deux boss là qu'on a testé?
Alors, ce qui est marrant, c'est que les deux en healing, parce que toi tu as un point de vue DPS, mais point de vue heal, pour le coup, vu que tu posais la question, ils sont assez différents, et malgré tout, je trouve que les deux, ils sont plutôt pas mal pour Druid Heal. En l'occurrence, pour Nintendra, je vais y arriver, c'est un boss où il y a un dot qui croît, on va dire, sur les joueurs, un debuff, et pour ça, le hotting est vraiment pas mal dans le sens où j'avais calculé qu'il y a un moment, si on était par exemple à 8 debuffs, mais Hot, il a exactement ce que les buffs nous enlevaient. Ce qui fait que pour un druide, c'est génial ce genre de fight. C'est du healing très lent, très passif, où il faut gérer sa mana, parce qu'on a vu qu'on était out of mana très rapidement sur ce boss-là quand même, quand on faisait un peu n'importe quoi au début. Le scorpion, quant à lui, c'est un peu plus différent. C'est plutôt du burst heal, en gros, quand un gros scorpion explose. Quand il fait ses abos dans tous les sens, ça pète d'un coup, voilà. Et là, en l'occurrence, le druide, il est pas mal là-dessus. Ne serait-ce que, un, par la croissance, et de deux, par une synergie qu'on peut avoir avec la prompt, avec le Soul of the Forest par exemple, que j'ai pas qu'on a utilisé que très très peu au final hier. Mais en gros, un boss c'est des dégâts plutôt lents à remonter, on a notre temps pour les remonter, pour moi Druid c'est très fort là-dessus, et l'autre c'est du burst, et pour le coup là-dessus on est pas mal, même si les chamans dessus sont sûrement meilleurs. Mais voilà. Ok, très bien. Donc quelque chose de une classe finalement plutôt utile en termes de comment dire de ce que ça apporte. Il y a beaucoup de CD chez, enfin le druide a encore tous ses CD. Je sais pas trop l'écorce fer quelque chose. Enfin tout ça c'est encore des choses qui existent parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de modifications par rapport à ça. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu peux apporter. En plus de ton heal, est-ce que ça apporte quelque chose en plus de ton heal? Je pense par exemple à l'affinité druide, par exemple druide équilibre. Tu en penses quoi de ça, ce genre de choses? Alors les affinités pour moi c'est génial dans le sens où l'affinité Eki elle permet quand même de plutôt pas mal DPS et surtout elle apporte le passif donc plus 5 yards sur tous les spells y compris les spells de heal. Pas la tranquille pour le moment mais peut-être plus tard. Et de 1 c'est un confort. On a déjà vu plusieurs combats en l'occurrence Archimonde où on était bien content, enfin on aurait bien été content d'avoir plus 5 mètres sur nos spells. C'est vrai. Et en l'occurrence, de pouvoir DPS comme ça, c'est ça compense la faiblesse du Druid qui actuellement est un simple healer de raid qui n'apporte pas grand-chose à part un roar en fait. Et un Bérez, mais ça on n'est pas les seuls. Là en l'occurrence, le Druid, pour moi, il est fort. Je sais que je rejoignais cet avis avec Kutos, qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. En début d'extension, le Druid il est plutôt fort parce que on prend pas mal de dégâts, les hots ils tiquent tout le temps, ça se passe très bien. Au fur et à mesure qu'il y a moins de dégâts, le druide il perd en intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de réduc. On a l'Iron Bark dont tu as parlé, qui est toujours présente mais qui est un peu nerfée. Mais pour le coup, ils ont nerfé absolument tous les CD externes en fait. Pour pas que ce soit trop abusé. Donc on a juste ça en réduction de dégâts et tout le reste c'est du heal pur et simple. Là, l'avantage qu'on a grâce à l'Affinity Eki, c'est qu'on pourra se permettre de full DPS parce que ça envoie quand même plutôt pas mal actuellement. Après, bon, c'est des chiffres qui seront amenés à changer maintes et maintes fois pendant alpha, bêta et même la release. Mais en l'occurrence, il y a plein de combats, je pense à Nintendra par exemple, quand elle est en train de channel son spell, là, on pourrait clairement full DPS si on gère bien nos stacks de debuff avant. Et c'est ce qui compenserait la faible utilité du druide, mis à part son rôle de healer actuel. Ok. Alors maintenant on va parler donc bah du coup t'es un peu revenu dessus mais on va quand même essayer d'encore plus voilà encore plus approfondir la chose. Décidément, c'est un petit peu bizarre cette interview, hein, Ouais, dites-moi donc. mais plus j'y pense, plus je me dis que bon, il y a des choses qui se passeront pas les lunes, hein. Donc on va parler de potentiel. D'accord? Alors évidemment, ça c'est une question très abstraite que je pose un petit peu à tout le monde. Alors pourquoi abstraite? Je ne cesserai de le répéter hein, quand je parle hein, d'alpha, quand on fait les interviews ou quand voilà, dès qu'on touche à Légion, hein, donc quelque chose qui n'est pas sorti, qui ne sortira pas avant un moment, évidemment tout n'est qu'hypothèse. Hein. Les chiffres qu'on peut voir actuellement sont des choses qui seront changées. Comme l'a dit Erré, on est sur. Enfin, même sur le live, ça changera. C'est-à-dire que même quand Légion existera, les chiffres ne seront qu'hypothèses. Donc, ou presque. Donc, encore une fois, on va essayer de parler de potentiel.
On va essayer de parler de potentiel. Alors, tu as parlé un petit peu du DPS, hein, donc effectivement, pour le moment, on a vu que le DPS que pouvait apporter le druide était vraiment non négligeable. C'est vraiment le mot, je pense. Yep. Hein, c'est voilà, c'est vraiment ça, c'est non négligeable. C'est-à-dire qu'on parle pas simplement d'un cœur du fauve au début d'un pool. Hein, là, on parle plus de ça. On parle de dès que tu vas avoir un trou, finalement, tu vas mettre un petit peu du DPS, etc., qui cumulé va vraiment être important hein, au niveau d'un tank, même si tu faisais que ça. Donc c'est très 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 puissant. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être le potentiel heal. Alors là, tu peux divaguer un petit peu, partir sur autre chose que forcément les boss dont on a parlé. Là, pour le moment, tu peux nous parler des talents aussi. Pour le moment, qu'est-ce que tu penses du druidheal si les chiffres restent dans l'état ou si, au contraire, j'ai pas trop vu les chiffres, hein, donc que ce soit bien ou non, si les chiffres s'équilibrent, qu'est-ce que tu vas penser du druidheal? Est-ce que tu penses que le druidheal a sa place à Légion dans un roster? Alors, ce qu'ils ont fait en gros sur le druide, la Légion, je trouve, c'est qu'ils ont un peu nerfé la réactivité. Dans le sens où on a une prompt qui est passée de 15 à 30 secondes. Alors, bon, on a un talent pour la dupliquer, j'en parlerai juste après, mais c'est pas forcément le meilleur choix. Et ils nous ont viré en fait l'instant heal. Sauf qu'à côté, ils nous fournissent pas mal d'outils pour setup. Parce que le healing du druide, c'est totalement un heal où on setup tous nos hôtes et après on bourre comme on veut. On peut dépenser et cramer toute notre mana joyeusement dans la joie et dans la bonne humeur. Là, l'avantage, ça se synergise vachement bien parce qu'en fait, tous les outils qu'on a pour setup nos heals permettent de les faire tenir quand même très longtemps. Je pense notamment au talent Flourish qui permet donc d'augmenter la durée des hôtes déjà présents. Et pendant ce laps de temps-là, en fait, on peut en profiter pour justement DPS avec la Balance Affinity. Donc je trouve qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse avoir des heals beaucoup plus contrôlables, on va dire. Qu'on peut vraiment. Enfin, on peut. Je sais pas comment expliquer. Disons qu'on peut bien plus les faire tenir sur leur aide comme on le souhaite, on a plus de contrôle dessus, et derrière on peut DPS, on n'est pas obligé de juste faire un Moonfire et de se dire ah bah non, là je dois refresh mes récup, etc. Ok. Et donc à ton avis, une place dans le roster en druidheal sans trop de soucis. Je sais pas si t'as test ou si t'as regardé un petit peu les autres heals. Si tu peux nous faire une petite comparaison. Enfin, pour le moment, les fights que t'as vu, le druidheal sera dans un. Enfin, ça se met dans une compo vraiment sans aucun souci. Ou au contraire, il aura quand même un petit peu à se battre par rapport aux autres. Actuellement, je trouve que ça se met quand même relativement facilement pour. Déjà, je vais parler d'une partie très simple mais importante, c'est que ça envoie beaucoup. Là, on débute palier, donc on est stuff vert, on n'a rien de psy. On envoie vraiment beaucoup, donc encore une fois, bon, les chiffres sont à revoir. Sauf qu'à côté de ça, on envoie beaucoup et on peut avoir une Guardian Affinity qui en progrès, c'est génial parce qu'on a moins 10% de damage. Cette Affinity-là pourra se changer par la suite par celle équilibre. Quand on n'aura plus trop besoin de réduire le damage pour avoir un burst DPS. Donc au final, on sera bon autant au début d'extension qu'en farm, je trouve, avec ça. Après, par rapport aux autres heals, en fait, ils ont vachement changé. On prend l'exemple du Monk Heal. Le Monk Heal, il a perdu vachement d'utility. Concrètement, sa DPS pue, hein, tout simplement. C'est un heal C'est de vrai. raid, en fait, maintenant. En fait, j'ai l'impression que le Monk Heal a repris un peu le rôle que le druide avait à WoW. À minus le roar, quoi. Ouais, À ça c'est côté de vrai. ça, on a le Shamil par contre qui lui a une utility très très forte avec le plus 10% HP max. Ça c'est vraiment une. Ça, puis la SLT, enfin le Shamil a toujours été connu pour ses CD. Le prêtre disque, je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion encore de le jouer, c'est le dernier que j'ai pas. Il faut que je le joue tout simplement. Mais de ce que j'ai cru voir, ça DPS correctement. J'ai l'impression que les disques font le même DPS que ce qu'on fait nous actuellement en balance en Donjon 5. Donc je pense qu'en raid on sera plus haut qu'eux. Et en heal à côté, alors ils ont eu un heal de raid globalement nerfé, c'est plutôt fait pour healer des cibles un peu plus précises, j'ai l'impression, même si bon, c'est pas encore totalement tuned. Mais en gros, en termes d'utility, bah pareil, ils ont pas mal perdu. Maintenant, ils servent à heal et DPS, ils ont plus leur rôle de shielder comme c'était à WoD, et encore heureux. Donc concrètement, pour moi, le druide est plutôt pas mal parce que même s'il a peu d'utility, actuellement, il y a très peu d'autres classes qui ont de l'utility, et par contre, le druide lui permet. De switcher entre DPS ou avoir une Guardian Affinity pour tanker les spells, etc. Ok, très bien. Donc, pour résumer un petit peu cette discussion qu'on a eue, le druidheal te plaît comme il est? Actuellement à Légion, ouais, je trouve qu'ils font vraiment. Ils vont dans la bonne direction, on va Ok, dire. plus qu'encore Kawod? Disons qu'à WoD, le passage que j'ai vraiment bien aimé personnellement, c'était High Maul.
parce que c'était difficile, on va dire, à gérer niveau mana. Mais mis à part ça, le problème de Wood, en fait, c'était pas le druide. Pour moi, ils vont dans la bonne direction, mais pas que pour le druide, pour les healers en général. Le problème de Wood, c'est que t'as d'autres healers qui étaient trop forts à côté. T'as un Shamil qui avait C'est des vrai. bonus de 7 qui étaient totalement abusés. T'as un prêt de disque qui était totalement obligatoire. T'as un Palil qui était à des millénaires devant les autres healers. Pour moi, c'est ça le souci. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils homogénéisent beaucoup plus la chose en faisant en sorte que les healers aient moins d'utility, qu'ils soient moins indispensables et qu'ils servent plus, bah, il est un peu. Ok, et très bien, très bien. Bah, écoute, écoute, on va passer au dernier passage. Donc, on va te cuisiner. Les viewers vont te cuisiner avec des questions. Donc, évidemment, c'est un petit peu comme là où on en parlait. Hein, ce sera pas en rapport forcément directement au boss qu'on a pu tester, hein, mais d'une façon plus générale. Alors j'ai noté quelques questions. J'ai noté quelques questions. Alors déjà, une question qui me semble très bien pour entamer un petit peu ce genre de discussion, et dont tu nous as pas forcément parlé. Le druide à la Légion sera-t-il plutôt un heal tank ou un heal raid? Même si bon, si j'imagine que voilà. Mais est-ce que par rapport aux autres heals, tu vas pouvoir heal tank très bien ou il y a beaucoup mieux? Disons qu'on est assez polyvalent là-dessus au final, parce que on a une nouvelle mastery, qui, soit dit en passant, est vraiment pas top, mais pour le coup, cette nouvelle mastery-là fait que nos heals sur les tanks seront plutôt corrects. Ensuite, ce qui fait que le druide est un bon heal tank, par exemple à Wood, c'était le bonus T18, qu'on va évidemment perdre là, qui était donc la double Live Bloom. Ouais, très Donc fort. pour moi, le druide sera quand même meilleur heal raid que heal tank, mais au final, on sera pas dégueu dans le sens où, pareil, on a un talent et des points artefacts pour réduire le CD de l'Ironbark. Sachant que tous les CD ont été nerfés, celui-là pourra rester totalement compétitif en fait. On pourra le refaire repasser à 1 minute, il sera plus 12, il sera 32% de réduction, je crois, si on met tous les points de talent. Enfin, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est Pour moi, vrai, ce c'est sera fort. plutôt raid que tank quand même. Ok. Alors, autre question qui est donc plus généraliste, pas forcément liée au druidil, qui revient souvent quand on interroge les heals, qui est revenu même tourné d'une autre façon quand on a interrogé Owie par exemple, donc le tank. Est-ce que selon toi, pour le peu de tests que tu as fait, parce qu'évidemment c'est toujours compliqué, on a fait des tests qui sont. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dégâts de raid, hein, j'ai eu l'impression là sur les tests qu'on a fait de manière générale. Enfin. C'est assez impressionnant, hein. Alors je sais pas si c'est les deux boss qu'ils ont voulu, les trois boss qu'ils ont voulu faire tester qui étaient comme ça, mais finalement j'avais un petit peu l'impression que les boss qu'on a testés suffisaient juste de bourrer des heals, peut-être moins Scorpion, hein, mais les deux autres boss, Ursoc et Nintendo là, j'avais vraiment l'impression qu'il suffisait de mettre 20 healers dans la comp et tu tenais jusqu'à l'enrage plutôt facilement. Au contraire, du coup en enlever était vraiment très dur. Alors donc la question est. Est-il plus facile ou plus difficile de heal à Légion, évidemment pour le moment, hein, Alpha, tout ça, comparé au live est-ce que les heals apportent-ils plus de survivabilité, plus de spells défensifs? Enfin, comment ça se passe le healing globalement à Légion par rapport à autre plus dur, moins dur? Concrètement, ça va être dur de répondre à ça parce que, de 1, si on parle uniquement du druidil là-dessus, honnêtement, ça change pas des masses. Le gameplay druidil, il reste vachement proche en fait. Ils ont juste tune 2-3 trucs. En l'occurrence, la Live Bloom qui ne se refresh plus automatiquement, il faut la remettre à la main, qui, soit dit en passant, est très chiant. Des trucs de ce genre-là. À côté de ça, par contre, on a un talent, c'est le premier talent du level 90, qui est le Spring Blossoms, qui nous permet d'avoir une flow qui est vraiment, vraiment puissante. C'était ma première source de soins, je crois. Donc ça, pour le coup, pour moi, ça facilite plus ou moins le heal. Et après, le deuxième point, c'est que pour moi, pour savoir si le healing sera plus difficile ou non, il faut voir par rapport aux autres healers aussi. Parce que de toute façon, le healing, ça se complète. C'est toutes les classes de heal qui font que dans un combat, tu as plus ou moins de facilité et de confort. Très bonne Là, le vision. souci, c'est qu'on n'a pas encore de Palil, on n'a pas encore de Priestoly. Donc ce sera pour moi très dur de répondre à ça. Mais en tout cas, par rapport aux druides, ça change pas des masses pour moi, niveau difficulté de heal. Très bien. C'est une très bonne vision hein, que tu donnes sur le fait que le healing, c'est avant tout quelque chose de groupe et pas personnel.
C'est une très très bonne vision que tu donnes, c'est-à-dire que je pense que n'importe quel compo, enfin j'ai aussi l'impression que tu parlais de classe plus forte, mais j'ai quand même eu l'impression d'un certain équilibre à WoD. Enfin, c'est assez bizarre parce qu'effectivement tu le disais, hein, le DC était mandatory et tout, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis finalement avec le fait que c'est un groupe, c'est-à-dire que oui le DC est mandatory donc est obligatoire. Sur Warlord of Draenor, mais finalement les chiffres, alors oui, le DC est un peu plus fort, mais enfin, j'ai eu l'impression d'une certaine homogénéité tout au long de WoD. C'est-à-dire que si t'avais la bonne compo, tout le monde était à peu près au même niveau. Je sais pas, je me trompe peut-être, c'est vraiment le point de vue d'un DPS. Je sais pas, t'en penses quoi toi de l'équilibrage? Parce que moi j'ai connu par exemple le DC à SOO qui, enfin, c'était pire encore qu'aujourd'hui. Alors c'est obligatoire parce que la mécanique d'absorbe est obligatoire, mais en termes de shift, tu l'as trouvé comment l'équilibrage global? Et du coup, comment tu penses pour le moment que l'équilibrage va être sur Légion? Alors déjà, je vais commencer par WoD, vu que tu en parlais. Alors oui, effectivement, pour WoD, ils sont quand même bien améliorés, parce que même si, comme tu dis, le disque est obligatoire pour tes shields, etc., c'est vachement homogène en fait. Pour moi, ce qui a créé des déséquilibres, c'est des bonus. En l'occurrence, les bonus T17 du druide étaient nuls à chier, simplement. Alors qu'à côté, tu as le chaman qui en a des excellents, le pal qui en avait des très bons, etc. Et c'est uniquement ces bonus qui faisaient que les classes repassaient devant le druide. Et la preuve à HFC, le druide, on lui file de bons bonus T18, et là, d'un coup, ah bah ça devient un bon healer. Pour le coup, HFC, druide, c'était relativement bon, alors que malgré tout, malgré ça, on n'avait plus de Fox pour faire notre ranky, et pourtant, on était vachement compétitif, on apportait pas mal. Notre bonus pour la double life bloom sur Archimonde était vraiment non négligeable, par exemple. Donc pour moi, voilà, le taf était bon à WoD, le problème, c'était les bonus. Pour Légion, actuellement, j'ai maté... Par rapport au log ou autre qu'on a pu voir, et au pot de classe qu'on a évidemment à notre disposition, ça me paraît encore une fois plutôt homogène là-dessus. En l'occurrence, je sais que quand je regardais Bepalzo en priest, était globalement au même niveau, les chaves étaient globalement au même niveau. Après, on est limité par les sur les boss qu'on a testés. En l'occurrence, on a testé que trois boss, donc on est très limité par ça. En l'occurrence, on va dire un Shamil, si tu prends le boss Scorpion, si on fait des tries de je sais pas de 6 minutes, un Shamil va vraiment shine, je pense, dessus. Alors qu'un Nitendra, si on faisait plein de tries 8 minutes plus ou 12 minutes, comme on a vu sur certaines vidéos, je pense que là c'est le Druid qui shine totalement. Mais malgré ça, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'ils ont quand même réussi à vachement homogénéiser la chose. Faudra juste pas qu'ils se foirent sur des bonus pour moi. Pour moi, tout ce qui peut faire foirer, c'est des bonus, des talents artefacts qui font que une classe est obligatoire à cause de quelque chose et que le druide, bah, vu que lui il l'est pas, ah bah il repasse derrière. C'est la seule chose pour moi qui fait foirer. Ouais, ok. Très bien. Et enfin, ça conclura un petit peu tout ça. Même si bon bah du coup hein, on a beaucoup fait de comparaison WoD et Légion qui est très intéressant, enfin qui est évidemment en fait ce qui nous intéresse même finalement. Donc la question c'est pour le moment Alpha tout ça, à tes yeux qu'est-ce qu'a perdu le Druidhill? Qu'est-ce qu'il a gagné? Et enfin une fois que tu auras répondu à ça, quelle est la différence entre le champi et les flots? Voilà. Alors concrètement, ce qu'il a perdu, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est un peu de réactivité. Donc comme je disais par rapport à la pompe en l'occurrence, le fait qu'il pue instant. Mais pour moi, c'est pas très grave parce que j'ai l'impression qu'il y a aucune classe maintenant qui a cette réactivité-là. Ils ont voulu l'enlever tout simplement. En l'occurrence, là, c'est de la réactivité surtout liée au healing du tank. Et ils ont voulu faire en sorte que le healing du tank soit beaucoup plus régulier. Là, à WoD, en l'occurrence, le tank il peut se self-heal, l'automédication comme mon cousin. Faire ça pendant 10 minutes et après il y a un petit pépin, allez hop, double instant heal, prompt ni vu ni connu, je t'embrouille. Ah là, actuellement ce sera plus trop possible, faudra plutôt heal régulièrement, comme on a vu sur un Druid tank qui a 4 millions d'HP, je crois. Improbable. Faut heal régulièrement parce que sa vie en gros stagne. En fait, si on heal régulièrement, sa vie stagne. Donc c'est ce que le Druid a perdu, mais c'est pas un mal et je pense que finalement tout le monde l'a perdu. Après, ce qu'on a gagné, c'est, comme j'en parlais tout à l'heure, du contrôle par rapport à nos hôtes. Donc en l'occurrence, le talent Flourish qui permet donc de les faire durer. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que pour moi, la véritable force du Druidhill, comparé à un Monkhill par exemple de WoD, désolé, je reprends encore une comparaison de WoD, mais en l'occurrence, le Monkhill de WoD, il posait 2-3 hôtes et ça se spreadait automatiquement. Donc en gros, il n'avait pas vraiment de contrôle là-dessus. Enfin, il en avait peu ou prou, on va dire. Le Druidhill, lui,
Mis à part la croissance qui encore est localisée, il a vachement plus de contrôle sur ses spells, et là ils ont voulu encore nous en rajouter. Ce que je trouve vraiment bon, et ça pour moi c'était, enfin voilà, c'était le seul truc. Pour moi, en Drizzt, on n'avait pas besoin de grand chose, si ce n'est ça. Nous l'ont mis, tant mieux. Ensuite, on n'a pas gagné grand chose d'autre, parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à gagner, tout simplement. Tout ce qu'il faut, c'est comment dire, qu'ils nous mettent pas de talent ou de bonus, encore une fois, mauvais pour nous, meilleur pour les autres, qui nous fassent descendre dans les abysses. Mais en l'occurrence, on n'a pas gagné grand chose là-dessus. Mais d'un côté, c'était pas mandatory. Ok, et donc là, la petite question qui était liée, Eflo, Champi, c'est quoi la différence? Alors, il n'y a absolument aucune différence, ils ont juste rename le spell en fait. Le spell, l'icône, mais il n'y a absolument aucune différence. Ok, bah écoute, écoute, c'est un très très bon point de vue. Alors, il y a une petite question bonus là, hein. C'est pas trop Allez. dur de s'auto-nerf pour éviter de se faire kick quand on a eu tout en face? Alors ça, on a fait Nintendra, après il a vu les logs, il a fait Ré, faut que je te parle, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il a vu que son uptime défaut était plus basse, et là c'est le massacre, je me suis fait lapider quoi, c'est. là, Ah, toujours la pite, de toute c'est. façon, on y revient toujours, putain, on n'en peut plus. Voilà, ça pourrait être un nouveau pseudo pour toi. Ouais, ok, et eh ben écoute, je te remercie d'avoir pris le temps, je te remercie d'avoir pris le temps, du coup, pour nous exposer ton point de vue. On se retrouvera sans doute, si t'as apprécié, on se retrouvera sans doute pour quelque chose d'encore plus gros, hein, à terme. Et j'espère que toi aussi ça t'a fait plaisir. Et du coup, Ah, totalement. bah voilà, donc c'est Et tant aucun mieux. problème pour refaire ça plus tard, il y a Et bah voilà, aucun c'est souci. parfait. Donc moi en tout cas je te souhaite une bonne fin de soirée, je te dis à très vite, et puis encore merci. Toi de même, et même bonne soirée à tous. Ciao! Salut.